Et ok. Alors, ça passe. Ouais, ça a l'air d'aller. Tout va bien. C'est bon. Sort d'attaque OBS parce que là c'est du gros, c'est du lourd. Salut à tous, c'est Recalcos et on est parti pour la suite de nos aventures sur Diablo 3. Aujourd'hui. Rien n'a bougé depuis la dernière fois, mis à part pas mal de level up et un bon bulle qui commence à être ancien. Donc j'ai quasiment rien fait là, c'est. Voilà, c'est derrière ce modern, je ne les ai toujours pas fait alors que je devais les faire. Et surtout, j'ai facile, hein, je rappelle, je suis au niveau destructeur déjà au bout de 2 semaines. 3 semaines, pardon, ça y est, 3 semaines depuis le début de la saison. Et donc normalement, aujourd'hui, je devrais terminer ça, mais surtout, ce qui va nous intéresser, ça va être. Aujourd'hui, les conquêtes. Les conquêtes, un élément extrêmement pénible et chiant à faire. Donc les conquêtes, comme d'habitude, dans chaque saison, il y en a trois. Cette saison-là, parmi les conquêtes, on a du lourd. On a du... Non, je dis du lourd, non. Par contre. Il n'y a pas de bêtises, Ori. Il n'y a pas de lourd. À part vitesse et précipitation, il faut des amis. Mais bon, on a remarqué depuis 2 saisons que j'en ai pas. Enrichissement personnel, voilà, ça c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Donc ça, on l'avait pas fait la saison précédente. Nous avons le frisson de la vitesse. Le fameux Final Fallen T10 en moins de 2 minutes. Ça existait saison 5, il me semble, ou saison 6, je sais plus. Mais toujours est-il qu'il n'y avait pas encore le T13. Là, maintenant que le T13 est sorti, c'est la première fois qu'il est sorti, alors qu'il y a du T13. Ça risque d'être un petit peu compliqué à faire, mais peut-être qu'il y en a qui sont en train de le farmer, on sait jamais. Ensuite, nous avons le grand frisson. Celui-là va m'intéresser dans le sens où si j'arrive pas justement à faire le frisson de la vitesse. Donc là, c'est la faille supérieure 45 en solo sans être équipé d'aucun objet ensemble. Je l'ai déjà fait, mais il faut quand même du stuff, donc on va attendre. Et enfin. Quelque chose qu'on a déjà vu à la saison précédente, que j'avais déjà présenté, malédiction. Donc ça, je vais le faire aussi dans quelques instants. Là, ce qui va m'intéresser pour cette heure-là, pour cette première partie, c'est au moins de faire enrichissement personnel et malédiction. Mais avant toute chose, j'ai quand même 2-3 préparatifs à faire. Rien de bien méchant. Juste vérifier 2-3 trucs parce que là, ça risque d'être quand même assez compliqué. À commencer par ça. Premier réflexe. Pour enregistrement personnel, on met la thune. Réduction de coût. Dégâts de zone. Je vais réduire la difficulté. Je l'avais en T10. Pour l'instant, en T10, je vais monter la difficulté pour voir si j'arrive à farmer assez de gold ou pas. Deuxième point important, on est en T10. J'en ai rien à foutre de mon stuff. Vous pouvez le voir, hein, là, le stuff actuel. Hein, elle est là. Conclave des éléments, ça y est, je l'ai eu. Le visage de Gunn. Et oui, cette saison, j'ai décidé de le porter. Hein. La rosée, le classique. L'arc double que j'ai obtenu depuis un petit moment maintenant. J'ai mis son petit châssis parce que j'ai eu 2 cubes. C'est parfait. Juste les dégâts. Hein. Tout est bien. Vitesse d'attaque, peut-être pas trop. Coût en ressources, ça va. Ça va me servir d'ailleurs. Hein. Le coût en ressources, 45%. On va le voir dans quelques instants quand je vais m'occuper, non pas de celui-là, mais de l'autre conquête après derrière. Mais voilà, 12 de disciples maximum. Et c'est vraiment les 10% de dégâts, ça fait du bien. Mais les 1300, 1600 de dégâts, alors qu'on peut monter facilement jusqu'à 1368, le minimum c'est 1318. C'est une horreur. 1664, j'ai à peu près 300 de dégâts que je pouvais récupérer. Donc je peux monter facilement à 1 million 3, 1 million 4 là. J'ai un peu deg. Donc là on voit qu'il y a pas mal d'objets anciens quand même. Ouais, la ceinture, j'ai eu du mal à trouver mieux. Donc il y a quand même pas mal, pas mal. Alors qu'il y a quelques drops, je suis désolé. Hein, pour cette séance. J'espère que ça va tenir. Hein, c'est du Diablo. Hein.
Ça veut pas tourner, ça veut pas. Voilà, ça a l'air un coup de tourner à 400 et pourtant ça clignote rouge. On sent que OBS est en PLS à chaque fois. Et que parfois il se coupe. Donc, alors que j'ai oublié de faire un petit dernier truc. Le plus important, c'est de remplacer le petit châssis que voilà, qui va me servir plus tard, par un châssis rang 50, la joie du thésaurisseur. Voilà, c'est ce qui permet de réussir la conquête et de l'avoir cette gemme au rang 50. Mais je rappelle qu'une gemme de rang 50, c'est toujours un stuff ancien remis et la toison d'or. Et donc, oui. C'est bien de blablater, mais c'est mieux d'agir quand même. Donc voilà. Je vais la faire la méthode classique. Je vais pas faire la méthode châteux hein, quand même. La seule où je vais faire méthode châteux, ce sera la troisième conquête. Donc voilà, on est sur le chemin d'Adria. C'est ici qu'on doit farmer la conquête. Donc j'ai encore oublié de modifier une petite compétence. La puissance de l'onde ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt acrobatie. Pas de tir, s'il te plaît. Je vais utiliser ça. Donc voilà, ça y est, cette fois je suis prêt. OBS, est-ce que tu es prêt à subir? Oui, je l'espère. Allez, on va prier. Donc voilà en quoi ça consiste. Ah ouais, mais j'ai un coéquipier qui va faire mal. C'est pas grave. Donc, ah, pas taper. Pas taper, surtout pas taper. Et là, tu fais des trucs, voilà. Là, voilà. On a des petits scarabées de partout, on ouvre les portes, on évite de ramasser le maximum de thunes, on réveille tous les scarabées possibles. En même temps, on va découvrir la map. On va éviter de mourir aussi, surtout. C'est bête de mourir maintenant. Non, c'est pas le moment de faire tout ça. Là, on casse tout. Oh putain, il y a un hit. Ça, c'est chiant. Ah, je suis peut-être tombé sur un très bon map. Une très bonne map. Ouais, ça part en... Oh, ça part en cascade. Ok. Pas tout de suite. Waouh! On va te dégâts, Google. Non, non, pas taper, pas taper, pas taper, pas taper, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas encore. Pas encore. Pas encore! J'ai perdu 62 000 de gold. Ok. Donc apparemment, ça a l'air de partir en zigzag. Donc je vais me remettre à l'entrée, je vais commencer à farmer. Ça va pas être simple. Non, non, ramasse pas. Ah, j'ai encore perdu 100 000 gold. Donc, je rappelle, c'est 50 millions à se faire non-stop. Donc, faut les accumuler. Le petit chiffre en bas à droite, quand j'ai vu que j'étais à 60 000, c'était pas bon. Ok, on va commencer là. C'est parti. Voilà, c'est Noël. En plus, j'ai fait en sorte d'avoir un pantalon qui fait gagner 35% de gold supplémentaire. On s'en fout des massacres, ce qui compte c'est de se faire pas mal de thunes. Ouh là là! Waouh, ça monte vite, dis donc! Allez, on s'arrête pas, j'ai déjà fait un cinquième. Franchement, je pensais pas que j'allais réussir aussi vite. Du premier coup en plus, ça va le faire. Ah non, on est déjà à 13 millions. Comme quoi, ça défile vite, hein. Je les défonce très très vite en T10. Allez, vas-y, monte. Voilà, j'ai presque fait la moitié. Pas que j'ai pas fait la moitié de la map. Alors, on passe par là, on fait tout le tour. Là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, vite. Ah, c'est bon. Donc voilà. On farm, on farm, on farm, on farm. On est déjà 32 millions. Et je vais faire le tour par là. Quand même, et ramasse la thune. Voilà 40 millions. Et là, on reste encore quelques ennemis. 42. Par contre, là, je vais finir par me retrouver une impasse et il n'y a plus de mob. 44. 46 millions. 47. 48. Ouais. 48. 49. 49, non, 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 les derniers mobs, voilà, c'est bon. Ben voilà, c'était rapide. Donc voilà ce qui se passe avec la toison d'or et avec surtout les joies du trésorier.
Il est très facile en T10, on fait les dégâts possibles de faire ces 50 millions. Là, j'ai accumulé 52 millions, mais de façon totalement gratuite. J'ai eu beaucoup moins de mal que la première fois. Faut dire que je suis devenu un professionnel là-dessus. C'était plus rapide que ce que je pensais, dis donc. On va pouvoir déjà se rentrer et on va commencer direct la deuxième conquête. En vérifiant que OBS arrive à suivre, tout va bien, nickel! Oh, c'était streamé, c'est cool. Surtout que c'était enregistré. Parfait! Je suis fier de toi, OBS. Y'a le coup encore. Alors maintenant je peux réinitialiser tout ça, on va passer directement au deuxième. Fais ça n'importe comment, hop, voilà. Hop. Donc ça veut dire que tout ce stuff qui sert à rien là. Ah si, il va servir mais pour autre chose après. Enfin, je suis pas sûr. Voilà. Bon là vous connaissez, pour ceux qui ont suivi la saison précédente, comment je vais fonctionner là. Voilà. Évidemment, les joies du trésorier, ça va servir. On s'inquiète pas, hein. Ça se recycle. Hop, 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 pantalon. Alors le pantalon quand même m'a un peu aidé. Hein. Je l'ai pas fait exprès, mais j'ai eu un 32% d'or supplémentaire sur les monstres. Donc j'en ai profité, j'ai dit touche pas, tu vas en avoir besoin pour la conquête. Donc ça c'est fait. Voilà. Alors là, on va avoir besoin de reprendre tous nos éléments de base. On va remplacer ça par les towers. Les towers qui vont lancer des fusées à tête chercheuse, c'est beaucoup mieux. Et je vais remplacer visée sûre par expert mécanique. Et donc là, on va arriver au passage que je déteste, et d'ailleurs je pense qu'OBS il va être en PLS. Et que là, je vais prier. Acte 5, voie des noyés. Et là, j'ai pas ce que je veux, donc je vais devoir quitter, relancer, jusqu'à ce que j'ai la conquête qui s'active. Later. Ok, alors. Faut que j'explique pour YouTube, parce que il s'est passé des trucs, hein. Notamment une coupure, et de manière volontaire, et aussi de manière volontaire, il y a eu un crash OBS, le deuxième de la soirée, mais bon, là vous ne sentirez quasiment rien, puisque la première c'était avant même que je commence le stream, donc c'est cool. La deuxième c'était pendant que je cherchais ce putain de coffre maudit, et là je peux vous le dire, j'ai mis une bonne heure à trouver enfin ce coffre, pour la simple et unique raison, je vais vous montrer. Que pour cette saison, et ça j'ai pas fait attention, les coffres maudits ne font plus partie des expéditions. Donc j'ai. Alors je pense que vous avez dû bien vous marrer pour ceux qui connaissent et qui sont en train de regarder l'épisode. Mais bon, voilà, je vous montre hein, toutes les actes. Hein. J'ai pas réussi à avoir un seul, à part les sanctuaires maudits ou voilà, là, les sanctuaires maudits. Mais il n'y a plus de coffres maudits dans les expéditions. Donc il fallait vraiment y aller à papate. Et donc ça a duré 1 heure. Donc j'avais fini, rappelez-vous, l'expédition des 50 millions. Vous, ça a duré 30 secondes de coupure. Mais disons qu'il était 21h15 quand j'avais fini. Et là, il est 22h15. Et là, je blablate, donc je perds du temps. Mais enfin bref. Toujours est-il que je vais finir cette partie. Donc elle va être beaucoup plus courte. Ça va vous faire plaisir, YouTube. Sur ce fameux coffre maudit. Je n'oublie pas bien sûr si j'ai bien les stuffs parce que je vais pas repasser 1 heure à tout refarmer derrière. Donc j'ai pas le droit à l'erreur. Franchement. Sinon ces coupures recommencent. Donc j'ai mon sac à dos du bombardier, ça y a qu'un problème. Embuscade, expertise, le Vendetta, les sentinelles qui sont à 3 et qui doivent monter à 5. Je rappelle la méthode, je vais mettre mes sentinelles un peu partout. Je vais attendre un peu. Hop, deuxième. Voilà. Troisième. Au début, ils seront dispatchés, mais après, je les mettrai n'importe comment. Et maintenant, faut que je prie que j'ai assez de mana. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Punition. Voilà. Plus de haine. Et c'est parti. L'enfer t'attend. On pourrait le voir avec le massacre si j'ai réussi l'objectif ou pas. Pour l'instant. Ça a l'air d'aller, mais ça va pop de plus en plus vite.
Là. Tour à 5. Commencez à en avoir partout. Hop. Et c'est parti. À la moitié, même pas. Rive. Aïe aïe aïe. Oh ouais, la pêche. C'est passé ou pas? C'est passé. Ouf. C'est passé. Ça fait deux conquêtes. Il me reste plus qu'une. Oh, Coronaito, tu as raté. Quel dommage. Je viens de faire la conquête. Et la preuve, hein, je viens de monter de niveau. Pour vous dire, hein, j'avais dit hors stream parce que... Enfin, j'étais en stream. Mais je pense que ça devait être au milieu de la coupure. Que quoi qu'il arrive, quand vous faites cette conquête, vous montez de niveau. Hein, même si vous êtes à plus de 400 parangons. Hein. Donc c'était logique. Donc ça, c'est fait. Tranquille, j'ai eu mon coffre. J'ai fait la conquête. Je vais faire une micro-coupure, pas sur le stream, mais sur YouTube, hein, le truc classique. Et on se retrouve pour la prochaine partie qui va être un petit peu problématique. Mais bon, je vais essayer de tryhard, mais je promets rien. Allez, à tout de suite les gens.